immédiatement. Oui. Il faut qu'on le rende fou. Il faut qu'on le rende fou. Et bah, félicitations. Ouais, bah, et Matt, du coup, a perdu 2-1 contre aussi. Ouais, et ça fait pas plaisir. Donc là, on a du Orion Little Monk. Donc, évidemment, le meilleur Wolf de France, peut-être le meilleur Wolf d'Europe, contre notre Bowser Junior national. Ouais, contre notre Bowser Junior régional. Ouais, absolument. Alors, est-ce qu'il y a des Bowser Junior à Paris? Bah, je crois pas. Il y a Yonix. Ouais, mais enfin voilà. Saint-Tuitos, voilà. Ouais, c'est ça. Non, bon, en vrai, pour moi, déjà, littéralement, qui est dans la conversation pour être le meilleur Bowser Junior de France, je sais pas s'il l'est, mais il est dans la conversation. Alors, actuellement, au vu des. En fait, il y a que lui, surtout. C'est comme représentant du perso un peu décent. Yonix, quoi. Ouais, voilà, c'est. Mais bon, il n'a pas encore suffisamment de perfs en dehors de la région, je pense. Bah, il passe pas beaucoup, c'est ça son problème. Ça, et surtout en dehors de la région, il a un peu plus de mal, tu vois. Ouais. C'est un joueur qui manque un peu encore d'expérience contre des match-up inconnus. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que Orion connaît le match-up? Je ne pense pas tant que ça. Est-ce qu'on a besoin de connaître le match-up? Oui, c'est que en fait Orion il est tellement trop solide tout court que même s'il connaît pas particulièrement le match-up à l'heure actuelle, on va attendre 4 minutes. Ah, alors, le setup n'a pas été utilisé. Je pense dire moi ça. On est toujours en stream ou pas? Bon, et bah écoute, on va cast sur l'écran de stream. Parce que le micro nous capte toujours. Ensuite. Ah bah ok. Bah, écoute, du coup, c'est bah, Little Monk qui est en train de se faire détruire. Hein. On va pas se mentir, on est en direction d'un 3 stock là. Le problème qu'on a là sur cette game, c'est tout simplement que Little Monk n'arrive pas à respirer. Ça fait vraiment. La game est lancée depuis 1 minute 40. Ouais. 1 minute 40 qu'il est en désavantage. Il coûte peut-être 1 ou 2 hits pour Little Monk. Mm. Et c'est vrai que c'est dur. Là, c'est vrai que c'est dur comme match. En fait, c'est simplement. Ouais, c'est simplement Orion. Ouais, non, mais c'est vraiment. Alors, le problème étant que la tablette s'est coupée aussi, pour une raison ou une autre. D'accord. Je savais pas qu'elle était branchée à ton PC en fait, je pensais que c'était une tablette à part. Oui. Bah, du coup, je pensais qu'elle était indépendante, je pensais pas qu'elle était sur ton PC. Peut-être qu'elle est sur secteur. Oui. Je crois qu'elle sort juste. Mais bref, on part du coup sur cette game 2. Honnêtement, je vais être sincère, j'y crois pas trop. Après, on peut avoir une game 2 quand même plus serrée. Parce que là, en fait, le gros problème hein, qu'on a sur cette game, c'est simplement Little Monk qui n'a plus confiance, qui du coup paniquait en permanence et qui se faisait simplement rouler dessus. Si on arrive à respirer un peu plus, à poser son jeu, on peut avoir une game pas forcément gagnante, mais au moins plus convaincante où on a un Little Monk qui pourra montrer ce dont il est capable. Et c'est ce qu'on a là, effectivement, Little Monk qui arrive à placer ses quelques petites phases et déjà 80% de trouver sur Orion. Ouais, effectivement, 97 maintenant, et pour le coup, le premier lead que Little Monk peut avoir sur le set. Faut savoir que sur ses 30 premières secondes, Little Monk a mis plus de dégâts que sur la game 1 entière. C'est réel, voilà. C'est vraiment vrai. La stat me fait péter un plomb, et pour le coup, on est sur Battlefield qui est un terrain qui avantage vraiment beaucoup plus Bowser Jr., j'ai l'impression. Peut-être Orion qui avait carrément la confiance et qui s'est dit au pire ça passe. Mais du coup, en vrai. Attends, qu'est-ce que tu bannes contre Bowser Jr? Premier stock trouvé et lead de la part de Little Monk. Qu'est-ce que tu bannes contre Bowser Jr? Stone City déjà sûr. Ouais, mais non, ils sont allés sur Town. Obligatoire. Ils sont allés sur Town et Orion l'a 3 stocks. Oui, c'est vrai. Tu vois, je sais pas. Et attends, là, Little Monk est en train de proposer une excellente game 2 avec toutes les phases d'avantage, tout ce qu'il faut. Et Orion qui est un petit peu submergé là. En fait, on a le schéma inverse de la game 1. De la game 1. Ouais. Ce qui est très étonnant quand on voit le gabarit des deux joueurs. Putain, merde, attends. Et tu sais qu'en vrai, genre. Les années précédentes attends, sur Smash, Orion connaît ce match-up. Les années précédentes sur Smash ont détruit ma confiance parce que je suis en train de me demander s'ils sont pas en train de nous faire une plutôt non, contre. Non. Je sais pas. Non, vraiment pas. Little Monk ne s'amuserait pas à ça. Tu penses vraiment que Little Monk s'amuserait pas à ça? Je pense vraiment. Little Monk, le mec qui a sorti Little Mac en winner semi contre MotoG et qui a gagné, s'amuserait pas à faire ça.
Non, 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 c'est les mêmes tags, c'est les mêmes tags. Ouais. Non, je pense simplement que Little Monk est dans une zone de fou sur cette game. Ah. Il a un lead énorme. Non, tu vois, c'est Orion qui joue, c'est Orion. Ouais, non, c'est clairement Orion qui joue. Le confirme au Shine into... C'était un nerf, quoi. Ouais. C'est... Non, non, ça c'était Orion pour le coup. Et Orion qui vient de reprendre... qui vient de reprendre le volant, hein. Il nous a vraiment mis une phase à 93%, mais on le voit, on il est de nouveau. De retard, hein. Ouais, ouais, mais en même temps, il faut qu'il arrive à le toucher là. Ça fait 118% qu'il le touche pas. Hein. Là, on est quasiment sur un 0 QS hein, du côté de Orion. Ok, on a enfin mis quelques dégâts. Écoute, on a eu un début de game absolument incroyable du côté de Little Monk. On n'aurait pas pu faire mieux. C'est fini. Un partout. 1-0. 1-1. 1-1 entre les deux joueurs. Et Orion, je peux vous le garantir, ne connaît pas le match. Manifestement, il ne connaît pas le match-up. Et là, on le voit, c'est au niveau des interactions, notamment avec le boulet, ou avec le B. Orion ne semble pas au courant des différentes possibilités que peut avoir Bowser Jr. Donc, est-ce qu'on va avoir une adaptation, une reconnaissance des différentes choses qui ont pu poser problème sur cette game 2? Orion en est capable, c'est un excellent joueur, hein, bien sûr, présent plus. Bien sûr. Je sais pas combien il est seed Orion, je crois qu'il doit être seed 3 ou 4. C'est 4. 4. On a, je pense, Luto, Crêpe et Léon. En seed 1, 2, 3. 1, 2 et 3. Puis Orion, juste derrière. Et c'est un excellent joueur. Un excellent joueur qui n'a plus rien à prouver. Mais il reste peut-être une chose à prouver. Sa connaissance du match-up Bowser Jr. On va voir ça, effectivement. Je t'avoue que je me serais attendu à l'inverse. Je me serais attendu à une première game sur laquelle Little Monk avait volé la game. Une deuxième game sur laquelle Orion le téléchargeait. Et la troisième game, on allait voir. Mais là, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est vraiment Little Monk qui s'est fait rouler dessus la première, qui a attendu que le train passe, qui a pris la deuxième game de manière absolument magistrale, et là, qui est en train de se prendre une phase d'avantage assez dangereuse. Ouais, on se prend une très grosse phase d'avantage. Ouais, on est revenu sur Smashville, et c'était peut-être pas la meilleure décision pour le coup, parce que t'as absolument nulle part où te cacher. Ah, c'est une relativement bonne map hein, de Junior. Mais oui, bien sûr. Ce qui a permis à Little Monk de gagner la game 2, c'est de ne pas être en permanence dans la pressure d'Orion, de ne pas être en permanence dans son extension du territoire, tu vois, où il va vraiment te schmix up à l'infini. C'est vrai que là, du coup, on est sur une map plus petite. Alors, c'est vrai que la map est bonne pour Junior. Hein. On a les Blast Zones qui l'avantage plutôt bien, même si le layout n'est pas parfait. Mais c'est pas forcément le mieux contre un joueur du calibre d'Orion, surtout avec une agressivité qu'on lui connaît. Ouais, c'est ça. C'est vraiment genre Orion, on sait que c'est un des meilleurs joueurs pour te mettre la pression de France, peut-être d'Europe. Et malheureusement, sur Smashville, ça peut se faire encore plus facilement. Donc c'est très très dangereux la décision que Little Monk a prise. Là, il accumule plus d'une soc entière de retard. Et on se retrouve sur un schéma qui est assez proche de la game 1. Même si il a pris cette toc, c'est encore jouable. C'est even en termes de stock, donc ça va. C'est pas c'est aussi grave que la game 1. C'est tout à fait jouable. Et en fait, bon, il faut quand même s'en rendre compte, hein, Bowser Jr. c'est des excellentes phases d'avantage. Mais on peut avoir des très gros trucs hein, qui permettront à Little Monk de remonter. Mais là, il va falloir faire très attention à bien conserver cette première stop. Et Orion, qui ne sait pas. Il sait pas gérer le side B. Il sait pas gérer le side B de fou. Et Little Monk l'a très bien remarqué. Et il en profite. Il a totalement raison. On a lâché ce ledge. On n'aurait pas dû. Attention, Orion, tu es dans une situation compliquée. Face à un personnage que tu ne connais pas suffisamment bien. Ouais, on va quand même prendre le backer. Mais 66% posé sur le wolf de Orion. Ce qui signifie qu'on pourrait potentiellement mettre des dégâts, mettre un bon kill, une edge guard. Ça pourrait passer. C'est ouais. Du 90%. Wolf, c'est relativement lourd, mais c'est pas extrême non plus. C'est du mid-weight. Hein. Là, il est à kill pour ça, Orion. Un side B à EB. Ça peut tuer, même un EB. Hein. Il y a ouais. Pas mal de choses hein, qui peuvent kill. Le side B drift également, le forward smash. Là, malheureusement, on aurait peut-être préféré un jab. Attends. La dash yes, attack, cette dash attack. Et tu vois, comment tu t'attends à ce qu'il y ait une dash attack multi sur Bowser Jr. Tu vois, c'est plein de petits détails comme ça. Si tu le sais pas, tu le sais pas, c'est clair. Hein. C'est ça. Et le flash attack. Oh là là, attention. La stock en il a accumule que 57% de retard. 57%. C'est totalement Little Monk pourrait faire l'upset de sa vie. Hein. Little Monk vraiment sur une très très grosse game hein, là, d'un plus convaincante que la première game malgré ouais, les sûr. Terrains beaucoup plus resserrés. Attention à, cependant à ne pas trop se faire gratter, mais il faut trouver cette phase d'avantage, ce side B, ce faire quelque chose. Attends, oui, très serait-il bien. Serait-il cet homme? Il y a 39% posé sur Little Orion, 56. L'upset. Ah non, malheureusement, l'upset. Il a eu un tout petit peu trop de pression et il a trouvé ce forward smash un tout petit peu trop tôt. Ça aurait tué. On l'a entendu dire non. On est proche du décès du côté des deux joueurs. Attention, Little Monk, ne te fais pas avoir par ce backer, Il peut le faire. Little Monk, attention, le B qui ne sera pas puni, seulement un jab, ce n'est pas suffisant, ce qu'on veut du côté du joueur français. Attention, le petit qui va tuer. Et Orion qui
C'est Tomahawk Upgrade qui ont été malheureusement trop piffés. Il a trop paniqué sur la main, sur la fin, ça se sentait. Il aurait pu le faire. Ça aurait pu être l'upset du tournoi. On a voulu cheese, mais après en même temps, il a raison de...